Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille, que vous commencez à préparer les préparatifs de fête. Donc, je ne sais pas si vous aurez le temps de faire beaucoup de scrap. Bon, pour moi, j'ai beaucoup d'idées, alors j'essaye de les coucher sur le papier. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une petite carte donc, qui se présente de cette façon. Donc, c'est un cerf qui est au bout d'une route et sur un paysage de sapins, voilà, avec le ciel et la neige. Donc, j'ai utilisé ce bloc action-ci pour faire cette carte. Donc, j'ai pris ce papier noir que j'ai utilisé pour le ciel. Donc, comme je vous ai dit, je vous fais une petite bordure comme on fait d'habitude. Voilà, au lieu de la mettre en bas de la carte, je l'ai mis en haut pour faire le ciel. J'ai mis ce papier pour faire la carte. Donc, j'ai coupé un carré de 15,5 sur 15,5 et le fond de carte blanc 16 sur 16. Ensuite, une fois que j'ai fait 15 sur 15,5 sur 15,5, j'ai travaillé la carte. Donc, j'ai collé un rectangle. Oh, excusez-moi. J'ai collé un triangle, donc, comment vous expliquer? Voilà, c'est une route. Donc, j'ai fait une route, je voulais que. Quand on la regarde, on voit profondément que c'est une route qui part, mais on ne sait pas où elle va. Donc, j'ai fait un triangle avec de la peinture, la gouache. J'ai mis un trait ici et un trait de l'autre côté pour faire la profondeur de la route. Et sur le milieu du triangle, j'ai fait des lignes discontinues. Voilà, ce qui vous fait comme une route quand vous la regardez comme ça. Donc, sur la carte, je l'ai travaillée. Donc, j'ai coupé des petits sapins. Voilà, j'ai coupé des petits sapins. Je crois que je dois avoir un modèle ici de coupé. Voilà. Voilà, j'ai coupé des petits sapins que je suis venue travailler sur la carte avec du scotch double face. Donc, j'en ai mis un là. Un là, un là, un là, pour faire une carte en relief. Ce qui m'a donné ça. Au bout de la route, il fallait que je mette quelque chose parce que sinon, on voyait simplement le fin fond de la route. Donc, j'ai découpé un cerf, voilà, qui traverse gentiment. Donc, le petit cerf, je l'ai pris dans la récup. Donc, j'ai pris le petit cerf, voilà, en bas. Voilà, donc je vais vous en montrer un œuf. Je pense que je dois avoir un œuf là. Il doit y être. Je n'ai pas dû le découper sur celui-là. Je vais le trouver. Le voilà. Donc j'ai découpé ce petit cerf que j'ai mis au bout de ma route. Voilà, qui traverse. Sur le ciel, j'avais découpé du papier noir et avec ma gouache, j'ai fait de petits flocons de neige. Voilà. Ce qui donne une carte qui est assez simple et assez facile à faire. Voilà. Donc j'espère que ma carte vous plaira. Si vraiment vous avez beaucoup de difficultés, vous me le dites et j'essaierai de vous donner plus d'explications parce que là, j'ai vraiment pas fait le. Je ne l'ai pas monté avec vous, je ne l'ai pas mesurer, etc. Donc, c'est simplement vous la montrer. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. Parce que, vous voyez, il faut vraiment la regarder visuellement parce qu'on la voit et oh, ça nous transporte assez loin. J'espère que ma carte vous plaira et que vous en ferez beaucoup. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous allez tous bien, protégez-vous, faites attention à vous et un grand, 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 grand
Bonjour à tous et un gros bisou. Au revoir.